Donc bienvenue à tous, à tous les participants et à tous ceux qui ont pu venir à ce colloque. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose. Oui. Alors je vais donner la parole à Madame la Présidente de l'INALCO qui va nous faire un petit mot de bienvenue. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis très heureux de dire quelques mots en ouverture de ce premier colloque international de linguistique berbère qui est organisé en l'hommage d'André Basset. J'ai cru comprendre que ce colloque essaye de réunir beaucoup de professeurs de berbère et d'éminents linguistes. À vrai dire, où d'autres qu'à l'INALCO pourraient se tenir ce type de colloque sur la linguistique berbère, parce que l'INALCO, c'est l'établissement où l'on enseigne une centaine de langues et de civilisations. La linguistique est une discipline reine, on pourrait dire, ici à l'INALCO. Il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs linguistes. Nous avons des formations en linguistique, un master de linguistique, plusieurs équipes de recherche de linguistique, ou alors des équipes qui ont un axe de recherche en linguistique, comme c'est le cas du LACNAD. L'enseignement du berbère à l'INALCO a toujours eu une orientation linguistique et probablement c'est une tradition qui se perpétuera dans les décennies à venir. Alors le berbère, il est enseigné à l'INALCO depuis 1913. Beaucoup d'éminents berbérisants ont eu la charge de contribuer à transmettre cette langue aux étudiants, et André Basset fut l'un des professeurs donc à enseigner le berbère. C'était le deuxième professeur de berbère à l'INALCO. Il a succédé à Edmond Destin. Sa carrière a d'abord commencé en terre berbère à Rabat, puis à Alger, et ce n'est qu'en 1941 qu'il va rejoindre l'École nationale des langues orientales vivantes, qui était l'ancien nom de l'INALCO, et là donc il succède à Edmond Destin. Les travaux d'André Basset ont beaucoup apporté à la linguistique berbère. Il introduira les méthodes de la linguistique moderne en cours à son époque. Il était en prise avec les développements contemporains de la linguistique en France et a beaucoup contribué au débat de la linguistique générale. En tout cas, les études berbères sont très redevables des travaux de ce grand berbérisant, et par exemple ces descriptions linguistiques de certaines variétés berbères sont les seules données, documents donc, que nous possédons à l'heure actuelle sur ces langues. Alors André Basset était linguiste, mais à l'INALCO il a commencé à développer aussi les cours de civilisation en introduisant des questions d'ethnologie dans ses cours. Il ne pourra malheureusement pas mener à son terme tous les travaux qu'il avait entrepris, notamment son vaste projet de dictionnaire comparé des parlers berbères, parce que malheureusement il décède en 1956 alors qu'il était encore en poste. Deux ouvrages ont été édités par ses élèves à titre posthume, et sa veuve a fait don de ses notes et ouvrages à la bibliothèque de l'INALCO. L'ensemble constitue un fonds extrêmement riche. À l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la disparition d'André Basset, ce colloque souhaite rendre hommage à l'homme et à son œuvre à travers donc une manifestation scientifique. Et de ce que je comprends, ce colloque, qui est le premier colloque international qui réunit des chercheurs en linguistique berbère, est appelé à devenir bisannuel et donc à se perpétuer. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque, Kamal Naïdzerat, bien sûr, Mohamed El Isri, et puis le laboratoire LACNAD, la section berbère probablement, et puis les collègues du pôle TIS pour leur appui technique à ce colloque. J'ai regardé la programmation, elle est impressionnante sur ces deux journées de colloque, et donc je vous souhaite de fructueux débats. Merci.